جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد Résumé également concernant la vie ou bien la biographie de l'auteur Sayyidi Muhammad ibn Abdul Wahid An-Nazifi qaddasallahu sirrahu wa afada alayna min barakatihi wa nafahatihi amin. Donc c'est un des très grands savants de cette tariqa, de la tariqa Tidjaniya. C'est un des plus grands savants, c'est un savant remarquable de renommée extraordinaire sur tous les plans, sur toutes les sciences religieuses. Et aussi, il était un ascète et une personnalité de spiritualité splendide. D'ailleurs, Inch'Allah ta'ala, comme on le verra, on saura que on verra sa haute dimension spirituelle et qu'il naviguait dans les hautes sphères. Inch'Allah ta'ala, on aura un petit aperçu sur ce plan dans un moment, Inch'Allah. Donc, Sayyidi Abdul Wahid, Sayyidi Muhammad ibn Abdul Wahid al-Nazifi radiallahu ta'ala anhu, donc, est né donc radiallahu anhu radiallahu anhu bihi dans la région de Sousse et à l'an 1270 après l'Égypte, donc l'an 1270 après l'Égypte, donc donc il s'appelle Muhammad, donc ce n'est pas Muhammad mais Mahammad, voilà, avec le fatha. C'est pour ça qu'ils écrivent avec son nom la parenthèse et écrivent fatha, c'est-à-dire que Muhammad, comme le père de Sayyid Ahmed Tidjani, il s'appelle Cheikh Ahmed ibn Muhammad, il ne s'appelle pas Ahmed ibn Muhammad comme voilà, certains auront tendance à le dire, mais il s'appelle Ahmed ibn Muhammad. Lui aussi s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahid, donc son père c'était Abdul Wahid ibn al-Hassan ibn Muhammad ibn al-Hassan ibn Sayyidi Ahmed ibn Sayyidi Ali ibn Sayyidi Ibrahim ibn Sayyidi Mas'ud ibn Sayyidi Muhammad ibn Bani Sura al-Nazifi radiallahu ta'ala anhu. Donc il a aussi pris la tariqa, donc il a intégré la tariqa Tidjaniya à l'an 1309 après l'Hijr. Il a pris du grand Muqaddam, qui est un khalif aussi dans la tariqa, qui s'appelait Sayyidi Ahmed Mahmoud, radiallahu ta'ala anhu, warda wa anna bihi, et donc celui qui lui a octroyé une ijaza dans la tariqa, était le premier, c'était après lui, c'est le grand saint vertueux Sayyidi al-Arabi, ou bien Sayyidi al-Hajj al-Hussein al-Ifrani, voilà, Sayyidi al-Hajj al-Hussein al-Ifrani, radiallahu anhu. Et c'était à l'an 1310, donc un an après avoir intégré la tariqa Tidjaniya, comme il y a aussi Sayyidi al-Hajj Muhammad Gannoun, radiallahu ta'ala anhu, qui lui a donné également une ijaza. Et il y a aussi le grand cheikh, le grand maître, le détenteur des secrets de la Tidjaniya, comme le disait Sir Ahmed Soukaïd, radiallahu ta'ala anhu, il disait que tous mes écrits, tous mes ouvrages sont ceux de Sayyidi, en réalité sont de Sayyidi Ahmed Abdallahoui, radiallahu ta'ala anhu. Donc moi, je ne suis que le transmetteur. Voilà, et celui qui a regroupé et agencé une partie de sa science et de sa sagesse
et de ses connaissances. Voilà. Donc c'est Seydi Al-Arabi, c'est Seydi Ahmad Al-Abdallawi, radiallahu ta'ala anhu, qui est un khalif extraordinaire. D'ailleurs, c'est lui qui avait regroupé pour la plupart les écrits de Cheikh Tijani, radiallahu ta'ala anhu, et de ses compagnons. Et il a eu à rencontrer un grand nombre de savants et de saints de cette tariqa. Donc Seydi Ahmed Abdallawi, voilà, radiallahu ta'ala anhu, lui a aussi donné une ijaza voilà. Et il y a aussi Seydi Abdullah Al-Kamsousi, radiallahu ta'ala anhu, qui lui a aussi donné une ijaza. Et tout ceci, donc c'est, il y a aussi donc sa ijaza, voilà, qui passe par Seydi Al-Arabi Ibn Sayyih, radiallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihim. Donc il est décédé, donc Seydi Mohammed Ibn Abdel Wahid An-Nawawi, radiallahu ta'ala anhu, est décédé le 20, là c'était donc la nuit du lundi 20 Dhul-Hijja, et l'année 1366, voilà, 1366 après l'Hijr. Donc son père était un grand savant également, et donc c'est lui qui lui avait commencé à il lui avait amené pour qu'il apprenne le Coran à bas âge auprès du cheikh, du maître qui s'appelle qui est un grand saint, Sayyid Mohammed Ibn Abd Daim. Voilà. Et donc il a été très vite quelqu'un de très remarquable, tant dans sa mémorisation et dans sa compréhension. Donc il a eu également, pour faire vite, appris beaucoup de choses chez plusieurs maîtres dans plusieurs contrées différents, et il était aussi un un très grand enseignant aussi. Il a enseigné beaucoup de générations, beaucoup de domaines, et voilà. Et donc son intégration de la tariqa Tijaniya auprès de Seydi Ahmad Mahmoud Hanini radiyallahu anhu wa anna bihi wa nafa'ana bi barakatihi wa 'ulumihi wa nafahatihi, s'est passé entre guillemets de manière ardeuse. Voilà, donc c'était par hasard, hasardeuse, voilà, c'était par hasard à peu près, parce que il était en voyage pour Marrakech, et donc il lui a donc il était venu le voir parce que tout simplement ça pleuvait et qu'il ne pouvait plus continuer la route, et il est passé en fait auprès d'un autre ami, et donc il a lu le livre de Jawahir al-Maani, alors que lui-même était Nasiri, donc il était dans la tariqa Nasiriya comme son père. Voilà. Et donc le jour où il a demandé mais comment faire pour voir pour intégrer cette tariqa là, parce que ce qu'ils ont dit dans Jawahir al-Maani, c'est grandiose, c'est énorme, et cela donne de l'envie à intégrer cette tariqa, parce que je vois que cette tariqa est une tariqa bénie. Bon, on lui a donc demandé d'aller voir Seydi Ahmad Mahmoud Hanini, radiallahu ta'ala anhu. Donc quand il est venu, alors qu'il disait souvent à ses disciples que je suis en train de superviser un grand aigle, voilà, qui est dans la montagne, et voilà, je l'ai rattrapé et je l'ai attrapé pour le faire intégrer dans notre tariqa. Et donc quand
il est entré dans la Zawiya et il l'a trouvé entre ses disciples en train de donner des cours. Il lui a dit, voilà, il a dit que aussitôt aux disciples, voici l'aigle que dont je parlais. Voilà. Et donc il l'a donné la tariqa ce jour-là. Et l'a promis de beaucoup de d'élévation spirituelle, beaucoup de stations spirituelles, beaucoup d'héritage de la part de Cheikh Mitidani radhiyallahu ta'ala anhu. Donc il était quelqu'un également qui était très attaché à ses maîtres et qui était très respectueux et respectable. Et donc il avait une envie énorme, c'est-à-dire ardente, voilà, une envie ardente et un attachement très fort avec la tariqa de la tariqa tijaniya. Il était parmi ceux qui combattaient nuit et jour, qui enseignaient nuit et jour, qui incitaient nuit et jour pour aux gens pour intégrer la tijaniya, mais surtout aussi être de bonnes mœurs, d'avoir une bonne éducation scientifique, voilà, avoir des connaissances religieusement et surtout d'être dans d'une moralité, voilà, d'une haute moralité et d'aimer le maximum possible le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Voilà, donc on va résumer donc bon, d'ailleurs, parmi toutes ces ijazas qu'il avait eues, donc de ce dont on a parlé, il avait demandé après, comme il l'a dit dans Yaqutatul Farida, qu'il voulait une ijaza directement de Sayyid Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc voilà, qu'il dit minhu rajatul izna ou min nabiyina bi alami arwahin biduni wasitati. Voilà, donc il disait souvent cela. Il avait, voilà, que j'espère vraiment avoir ou obtenir de la part du Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mitidani radhiyallahu ta'ala anhu, et ou de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'autorisation spéciale sans intermédiaire dans le monde des esprits. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé, parce que Sayyidi al-Baqiri radhiyallahu ta'ala anhu disait que moi et Sayyidi al-Nazifi, quiconque obtient de nous une autorisation de quoi que ce soit, c'est parce qu'il l'a obtenu directement entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il était très effacé, voilà, il était d'une humilité, d'une modestie impressionnante, radiyallahu ta'ala wa radhiya anhu, et cela apparaît également dans ses livres. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد.